Bonjour à tous, aujourd'hui sur cette vidéo, nous allons te montrer comment régler une loi d'eau sur une PAC Thermav HN616NK3. L'aide au dépannage ne doit être faite que par des professionnels. Un mauvais réglage peut engendrer un dysfonctionnement de l'installation. Accéder aux paramètres installateur. Si tu cherches comment installer ou paramétrer une climatisation LG ou bien une PAC Thermav, bienvenue sur cette chaîne. Pour ne rien rater, il te suffit simplement de t'abonner et de cliquer sur la petite clochette de notification. Et si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de cliquer sur le pouce pour nous encourager. Dans l'exemple, nous souhaitons avoir une sortie d'eau à 25 degrés lorsque la température extérieure sera de 18 et une sortie d'eau à 60 lorsque la température extérieure sera de moins 5 degrés. Nous allons d'abord récupérer la version SW de la télécommande. Elle servira de mot de passe pour accéder au mode installateur. Allez sur la fonction menu et validez sur OK. Allez sur la fonction réglage et validez sur OK. Allez sur la fonction service et validez sur OK. Allez sur la fonction information sur la version de la RMC et validez sur OK. Notez les 4 chiffres de la version SW. 2, 0, 0, 0. Avec la touche Retour, allez sur le logo Réglage. Maintenez 4 secondes la flèche du haut. Saisir la version SW. Sur l'exemple, la version SW est 2000 et valider sur OK. Nous sommes maintenant dans le menu installateur. Dans l'étape suivante, nous allons régler la température extérieure pour la loi d'eau. Réglage de la température extérieure pour la loi d'eau. Une fois dans le menu installateur, descendez et sélectionnez d'abord la fonction température extérieure mode auto et validez sur OK. Sur cette fonction, nous allons pouvoir régler la température extérieure pour notre loi d'eau. A l'aide des flèches haut et bas, nous allons mettre notre température minimum à moins 5 degrés et notre température maximum à 18 degrés. Nous validons sur OK. La prochaine étape sera de régler la sortie d'eau de la loi d'eau. Réglage de la sortie d'eau pour la loi d'eau. Nous allons ensuite aller sur la fonction sortie d'eau mode auto et valider sur OK. Toujours à l'aide des flèches, nous allons mettre notre sortie d'eau minimum à 25 degrés et notre sortie d'eau maximum à 60 degrés et nous validons sur OK. Voilà, vous savez maintenant comment régler une loi d'eau. Merci d'avoir regardé la vidéo et n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la petite clochette.
Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour nous encourager. N'hésite pas à nous dire dans les commentaires si tu as des questions ou si tu n'as pas compris une étape de la vidéo. Merci et à bientôt pour de nouveaux tutos.